est-ce que c'est pas bizarre de faire des biopics sur des gens qui sont encore vivants? Votre dernière série, binge-watché. J'arrive jamais à dire ce mot. Binge-watché. On a binge-watché. On a regardé tout d'un coup. Je crois que ça a dû être Vernon Subutex. Parce que je binge-watch pas. J'essaie de me garder des petits plaisirs. Et sinon, ça a pu être Maniac aussi. Avec Jonah Hill que j'ai trouvé super comme série. Le meilleur clip de tous les temps. Eh bien, là, je vais citer un clip tout récent de mes amis Black Bones. Qui viennent de sortir un clip absolument hallucinant, en plateau années 70, complètement fou, avec une mise en scène de dingue et un morceau incroyable, il faut aller le découvrir absolument. Un morceau qui a enflammé le dance floor du Silencio. Il y en a eu tellement. Je crois que Lemon de Bachar Markhalifé, ça marche à chaque fois. C'est incroyable ce morceau, comment il fédère, comment les gens d'un coup se réveillent, frappent dans leurs mains, dansent ensemble. Et dansent ensemble surtout, c'est ça qui est bien. Ils dansent pas devant le DJ, ils dansent avec la musique, avec les autres. Qu'est-ce que je faisais au Silencio? Ah bon, au Silencio, j'étais chez Corinne. Corinne, fille de ta région. Qui a eu une résidence et qui invitait plein d'artistes, des DJ, des lives et tout ça. Et moi, je suis venue y passer de la musique, faire danser les queers. Un film qui a marqué votre enfance. Je crois que c'était L'Histoire sans fin. Je me retrouvais vachement là-dedans. Alors, je l'ai rematé l'autre jour et c'est la musique et Giorgio Moroder. Ça, je ne me rappelais même plus. Et par contre, qu'est-ce que ça m'a vieilli. C'est terrible. Mais bon, après, j'aime, c'est au fond de moi, c'est une Madeleine, donc on adore. Alors, un acteur slash une actrice qui vous sert de modèle. J'aime beaucoup Eva Green, parce que Eva Green, elle est sublime. Et elle prend des risques dans les rôles qu'elle choisit. Elle s'en les dit. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui s'appelait Penny Dreadful. Elle est incroyablissime dans cette série. Je l'aime. Je l'adore. Je veux être elle. Alors. Un film dont vous auriez aimé composer la musique. C'est souvent bien la musique de film. En ce moment, je réalise la bande originale d'un long métrage. Je ne vais pas en dire trop. Mais c'est un petit peu un rêve qui va se réaliser. Alors, je vais dire que ce film à venir, qui s'appellera Teddy, c'est deux jeunes réalisateurs c'est leur deuxième long métrage. Ils m'ont contacté car ils avaient écouté mon album pendant la rédaction du scénario. Et là, le tournage va commencer et la musique commence en même temps parce qu'elle fait partie intégrante du film. Et ça, c'est une chance incroyable de me laisser cette part de réalisation. Merci les gars, ça va être super. Une chanson de Vernon Subutex qui vous reste en tête. Ah bah c'est Kimwal, Cambodia, évidemment. Et dans la série, elle est utilisée dans une scène où la hyène et Anaïs viennent enfin de se rapprocher. Et elles se sentent, elles repartent de Barcelone, elles marchent toutes les trois avec Aïcha vers leur destin, vers leur futur, sans trop savoir ce qui va se passer. Et il y a cette chanson-là qui marche du feu de Dieu. Un biopic musical pas encore tourné que vous aimeriez voir. Oh, j'ai du mal avec les biopics. Vous allez dire que je fais que râler, hein. Mais j'ai du mal avec les biopics parce que j'ai vu Bohemian Rhapsody là. Voilà. En fait, j'ai pas envie de savoir la vie des gens, je crois. Je crois que je fais partie de ceux qui aiment l'œuvre et qui veulent pas trop savoir ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, même si évidemment ça justifie des choses pour l'art et c'est bien. Je pense que prendre l'œuvre pour ce qu'elle est et laisser la paix à un artiste qui est mort, c'est cool en fait. Foutons la paix aux gens.